peu trop au-dessus pour lui, tu vois. Oh, Panda, il est mort. C'est Tiens, ça va ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour le concept The Fight Ball. Vous avez vu, j'ai les béquilles, il est temps de mettre en avant les freestylers. Le but du jeu, c'est de montrer ce qu'ils savent faire vraiment, parce qu'on les voit sur Instagram, on les voit sur YouTube, ils font des crossbar challenge, ils font des clips où ils font les beaux gosses comme ça. Mais là, on veut voir leur vraie qualité, on veut voir ce qu'ils valent au freestyle et au pana. Avec moi, j'ai deux mecs qui se challenge, ils se sont rentrés dedans hier soir sur Instagram. Ça s'est charrié. Pauvre, ça va mal se passer pour lui, hein. J'espère qu'il sera prêt, hein. J'espère qu'il sera prêt. Et là, ils vont régler les comptes maintenant. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir deux parties de ce battle. Une partie pour la spécialité de Mehdi, le pana. Une deuxième partie pour la spécialité de Riles, le freestyle. S'il y a un partout, il y aura un spécial challenge qui s'appellera le Instagram challenge. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Ok, bon, comme dans tout match de boxe, vous savez, il y a une conférence de presse, on va la faire directement. Écoute, moi je sais qu'il y a eu un battle entre Riles et Mehdi, et Riles avait gagné la partie freestyle. Donc Mehdi, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? On verra. Ok, excellent. Il a l'air confiant, il sait ce qu'il veut. Mais c'est un mec qui parle pas, lui il veut montrer sur le terrain, qu'est-ce que tu as à lui dire? Moi, terrain, on verra s'il y a pana ou pas. Juste jouons. Juste jouons, les mecs ils veulent en découpe dès maintenant, vous avez vu, ils parlent pas avec leur bouche, ils parlent avec leurs pieds. On va voir, c'est parti pour le premier battle. Vous allez faire perf ciseaux, le gagnant décide quelle spécialité par laquelle on commence. C'est parti quand vous voulez, vous êtes bien prêts les gars? Ok, Mehdi, on commence par quoi? Freestyle. Ok les gars, Mehdi a décidé, on commence par le freestyle, c'est parti. Yo la famille, avant de commencer ce freestyle battle, il y aura bien sûr des juges pour les départager. Les trois juges d'aujourd'hui seront JMK, le gardien le plus technique pour son sens du show. On aura Andreas, l'ancien du freestyle, un des premiers urban ballers, un des premiers à avoir mixé le foot, le basket et la danse. Et moi-même, même si je suis MC, je suis quand même juge et assez expert pour pouvoir décider qui doit gagner ce freestyle battle. C'est parti, deux passages chacun. Celui qui fait le meilleur passage l'emporte sur le battle total. C'est parti. Ok les gars, c'est parti pour le freestyle battle. Alors aujourd'hui, on a Mehdi versus Riles, vous êtes chaud ou pas? Ouais! 3, 2, 1, c'est parti! Ok, 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 attention! Qui va commencer? Qui va commencer? Hein, c'est comme ça en freestyle! Ok. Ouais. Ouais.
casser la gueule. Ok, on peut pas le check ici, c'est un battle. Ok, on va demander tout de suite au jury de décider. Il y a JMK que vous connaissez bien, il y a Andreas et moi-même dans le jury. On va compter jusqu'à 3 et chacun va voter pour son préféré. Ok, le jury, vous êtes prêts? Ça fait 3, 2, 1. On se retrouve avec Riles. Riles, tu as gagné ce premier challenge, ce premier battle fightball de freestyle. Qu'est-ce que tu as à dire à Mehdi? Franchement, j'étais vraiment impressionné de son niveau parce qu'avant il était pas aussi fort, tu vois. Il a bien progressé. Maintenant, j'attends de voir comment ça se passe en panin. Ok, ok, on va passer tout de suite à Mehdi. Mehdi, Mehdi, il y a eu un 3-0. Moi j'ai perdu au freestyle, mais au panin il est mort. Oh, ok, il est mort, ça passe tout de suite. Il va même pas toucher la balle. Oh, ok, on passe tout de suite au panin battle. Let's go. YouTube, si vous voulez les mêmes ballons que ces deux jeunes, dans cette vidéo, ils utilisent des ballons Urban Ball. Riles a un ballon Révolution qu'il utilise comme pour le foot et pour le freestyle. Et Mehdi a un ballon Urban Ball classique Wattfire, nouveau grip qui lui est vraiment spécifique pour le freestyle. Et ensuite, pour le Pana, il y aura la Pana Ball vraiment faite pour les petits ponts. Tout ceci, ça se retrouve sur urbanball.com. Je compte sur vous. Et en ce moment, les 100 premiers achats auront une dédicace de moi. C'est parti. Ok, on se retrouve pour la seconde épreuve qui est le Pana Battle. On va juste changer un peu les règles. Comme tu vois, le terrain il va être sur un but. À chaque fois que tu as le ballon, tu devras ressortir comme au basket et faire le 1 contre 1. Tous les buts est un point. Tous les skills décidés par les jurés qui sont JMK, Andreas et Sean. S'il y en a deux qui lèvent la main sur un skill, c'est un point. Et bien sûr, le Pana est KO. Si les jurys sont d'accord que c'est un Pana KO, c'est Pana KO. Donc il y aura à peu près 3 minutes de match. Les gars, vous êtes chauds? Mehdi est vénère. Riles est en confiance parce qu'il est sur une victoire. Qui va l'emporter dans les commentaires? Let's go. Ok, on est parti pour le match. Les gars, ça fait 3, 2, 1, musique. Ok, ça ressort. Nada no me hace feliz, pero te falta yo juego con mi lamo y se me le tula. Un petit défi
gars, la derlude avant ce troisième challenge. Lui, il a l'air chaud, mon gars. Présente-toi à la caméra, s'il te plaît. Ton nom, c'est Bouska. Bouska, qu'est-ce que tu as Bouska, qu'est-ce que tu vas faire de lui? Je vais fumer. Ok, Bouska, tu as une minute. C'est parti. Ok, allez, tu penses, vous devez nous dire lequel de ces deux-là c'est le mieux démerdé. Dites-le moi dans les commentaires, on passe tout de suite au spécial challenge. Ok, comme vous l'avez vu, l'épreuve ne s'est pas finie par un chaos. Il y a 1-0 au niveau du freestyle pour Riles. Un partout, Mehdi a égalisé Opana. On va revenir sur le Opana. Mehdi, t'as gagné, qu'est-ce que t'as à dire sur ta performance? Ouais, il a pas trop touché la balle, mais bon, il a bien joué. Ok, Riles. Qu'est-ce que t'as à répondre? Ah, c'est la même chose au freestyle, hein. J'étais un peu trop au-dessus pour lui, tu vois. Ok. Chacun a maîtrisé son art, on va dire. Mais c'est ça, un vrai urban voleur, c'est un mec qui sait tout faire avec le ballon. On sait que la plupart des gars postent sur Instagram, donc ça va être la Instagram Battle. Derrière nous, on a un panier de basket. Celui qui va faire le trick shot le plus fou en le mettant, eh ben, il aura gagné. Mais ça sera chacun à votre tour, ok? C'est-à-dire, je vous explique, vous allez faire un pierre-feuille-ciseau. Le gagnant décide s'il commence ou il commence pas, ok? Celui qui commence, il tire. S'il la rate, c'est à l'autre. L'autre tire. S'il la rate, s'il la marque, c'est fini. Ok? Par contre, si le premier la met, le deuxième a quand même l'opportunité de faire quelque chose. S'il met un trick shot et que le trick shot est plus joli en esthétisme, le jury décidera du gagnant entre les deux. C'est bon? Vous avez compris, j'espère. Les gars, est-ce que vous êtes chaud, le public? Ouais. Okay. Le public est chaud. On est parti. Pierre, feuille, ciseaux, les gars, pour décider. Allez, Riri. Je commence. Oh, il commence! C'était dans l'axe! Tu as tremblé devant ton ordinateur, je le sais! Mais du coup on va changer un petit peu les règles. Il n'y a plus de distance. Vous faites le trick shot où vous voulez. Mais ça se passe au style. Voilà, s'il y a une égalité, ça se jouera au style. À vous de gérer, c'est parti. C'est parti pour la réponse. Entre Mehdi et Riles. Cette là c'est la bonne. Ça veut dire que Mehdi a une chance de répondre. S'il répond et qu'il marque, c'est le jury qui décidera qui l'emportera. S'il loupe, Riles sera automatiquement vainqueur et sera champion en titre de ce premier fight ball. Et on verra qui ira le détrôner la prochaine fois. Let's go. Il a la pression, il subit. Il est parti prier. Soyez attentifs.
Et tout le monde, vous l'avez compris, Riles garde sa place pour le prochain Fight Ball. Il va falloir lui trouver un nouvel adversaire. Il y a des Urban Ballers présents. On va leur demander de faire un passage. Peut-être un d'entre eux mérite d'affronter Riles. Est-ce que ça va être l'un d'entre eux ou alors un autre Urban Baller que vous taguez vous-même? Dites-le moi dans les commentaires. J'attends de voir, mais je veux un adversaire à la taille de Riles pour pouvoir le battre la prochaine fois. C'est parti. Le prochain adversaire de Riles pour le prochain Fight Ball. On se voit à la prochaine séance. Bye.